Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'un livre. Il s'agit du livre Rituel d'ancrage, Les secrets oubliés d'Alicia, d'Alicia Renoux, que j'ai reçu des éditions Bussière pour pouvoir le partager avec vous. Euh, je vous avais déjà présenté le premier avec les rituels de pleine lune que j'avais beaucoup aimé. Euh, et ici, c'est une collection euh, de trois livres. Il y a également. Euh, celui-ci que je vous présenterai dans une autre vidéo. Euh, pour le moment, il n'y en a que trois. Je ne pense pas qu'il y en ait plus que ça. Et euh, dans le monde dans lequel on vit, on entend beaucoup euh, dans les oracles, dans les livres, des conseils, où on nous dit qu'il faut plus être ancré, bien s'ancrer. Et euh, bah, ce n'est pas toujours évident de savoir bah, comment euh, s'ancrer. Et ici, euh, on a vraiment un petit livre bien sympathique hein, euh, où il y a plein de, de rituels d'ancrage. Voilà, donc ça, je trouve ça très, très chouette. Bon, j'aime beaucoup les couvertures de ces livres. Je les trouve très, très, très jolies. Ils ont un, un chouette format aussi. Ils sont euh, assez étroits et assez hauts. Voilà. Donc, ils ont un petit prix aussi, 13,20 euros. Ce qui n'est pas excessif. Et euh, ils sont imprimés en France. On, je vous mettrai mon lien vers Amazon, comme d'habitude, dans la barre de description, si vous voulez passer par là pour me donner un petit coup de pouce, et sinon, il est disponible partout. On va lire ensemble, du coup, ce qui est écrit au dos. Alors, imaginez que l'ancrage soit comme la vedette d'un spectacle énergétique. Il nous invite à nous connecter à notre essence fondamentale, à libérer notre puissance intérieure et à nous laisser envelopper par les forces terrestres. En maîtrisant votre ancrage, vous allez retrouver stabilité émotionnelle, clarté mentale, confiance, sécurité et allez pouvoir améliorer votre connexion spirituelle et réduire votre stress. Ce livre est une invitation à se poser, à s'ancrer dans le réel et à ressentir cette douce sensation de stabilité et de sécurité. Devenez spécialiste de l'ancrage et connectez-vous à la terre-mère. Voilà, donc on va le regarder ensemble. Il est en noir et blanc comme le précédent. On a ici le sommaire euh, avec euh, ben déjà qu'est-ce que l'ancrage, quelle est la différence entre un rituel et une méditation guidée. Dis-moi la couleur de ta bougie, je te dirai la signification énergétique. Un petit mot sur les encens et les propriétés, sur les bienfaits des huiles essentielles, comment purifier votre pierre, comment la recharger. Et ensuite, on a toute une liste de rituels euh, d'ancrage. Voilà, et il y en a beaucoup. Hein. Euh, on va regarder ça ensemble du coup. Alors, ici un petit mot euh, sur Alicia. Un mot sur qu'est-ce que l'ancrage Voilà. Est-ce que ça peut euh, vous apporter Garfield, tu ne peux pas aller dehors, chérie. Je te l'ai déjà dit. Quelle est la différence entre un rituel du coup et une méditation guidée Ici, on a la couleur des bougies euh, qui sont importantes hein, selon euh, quel rituel on veut faire, par exemple. Les encens, leurs propriétés. Le bienfait des huiles essentielles. Ensuite, on a comment purifier votre pierre, comment la recharger. Donc ça, c'est toujours intéressant. Puis on a le rituel d'ancrage simple. Donc là, le matériel nécessaire, ce n'est pas difficile, tout le monde peut le faire. Un tapis ou une couverture confortable et un endroit calme et paisible. Voilà. Donc ici, elle vous donne les étapes à, à faire. Voilà. Alors on a un rituel d'ancrage plus profond. Rituel d'ancrage au quotidien euh, sur l'abondance dans votre vie. Bon, je ne vais pas tous vous les montrer. Un accès sur le lâcher prise. Donc, ça, c'est bien aussi. Et on, elle propose des méditations guidées aussi. Euh, rituel d'ancrage sur la guérison émotionnelle. Pour surmonter le deuil d'une personne proche, par exemple. Euh, pour vous protéger énerg énergétiquement de votre environnement pour retrouver une harmonie familiale, pour surmonter un traumatisme, euh, pour vous aider à faire face à la peur de la mort, surmonter vos addictions. Donc il y a vraiment euh, plein de rituels différents. Stimuler votre motivation, apaiser vos peurs constantes, dissiper vos phobies, euh, rompre avec une relation toxique. Et alors on a les fameuses blessures, hein, blessures de rejet d'abandon, d'injustice aussi de trahison, L injustice elle est ici, d'humiliation pour faire face à votre colère voilà donc il y en a vraiment euh, tout plein et ici on a un petit mot euh, de la fin d'Alicia voilà donc je trouve ça très 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 chouette euh, pour le prix 13 euros euh, franchement a... faites-vous plaisir parce qu'il y a beaucoup beaucoup de rituels et euh, ils sont très très intéressants je trouve j'aime beaucoup ces livres de cette collection voilà euh, du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce livre, si ben, vous trouvez ça intéressant, euh, si vous pratiquez euh, les rituels d'ancrage, pourquoi pas, dites-moi tout ça dans les commentaires, si vous avez acheté celui-ci ou celui sur la pleine lune que je vous avais présenté, dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous